Bonjour et bienvenue à votre émission de cuisine, La Table au bout du lac, une émission où on fait de la cuisine, oui, mais on met en valeur les produits de notre coin, les produits de la région et du secteur Maria Chapdelaine. Cette semaine, on accueille le chef Olivier Geldof, qui est gérant des plats cuisinés au métro de Dolbeau-Mistassini. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça va bien? Enchanté. Ça va bien. Ouais? Oui? Oui, ça va très bien. Olivier, toi? T'es un chef belge, hein, parce que t'es pas originaire d'ici. Pas un produit d'ici, non? Pas un produit d'ici. Exactement. Donc, tu vas essayer de mélanger aussi ta culture belge avec tes produits locaux. Exact. Ça fait combien de temps que t'es au Québec? Je suis arrivé le 5 juillet. OK, donc ça fait même pas un an? Non, 6 mois. Est-ce que t'aimes ça? C'est le fun. Ouais, c'est le fun. Parfait. Par quoi on commence ce matin? On va faire un pâté gommet. En fait, un pâté gommet, c'est un mec chez moi. OK. De la Gaume, donc il y a un petit endroit dans la Belgique, mais qui reprend surtout un pâté comme vous faites vous, là. OK, comme donc, un pâté à la viande. Comme un pâté à la viande. Ça sera pas pareil à l'intérieur. Mais un peu mélangé à l'intérieur, là. Okay. Mais on va utiliser quelques produits de chez vous pour le faire. Et avec ça, on va faire un mousseux au bleuet. Oui. On va utiliser les bleuets du domaine Lauré des Bois de Notre-Dame de Lorette, qu'on aime bien. On salue Lina, d'ailleurs. Voilà. Donc, par quoi on commence? Ah ben, on va commencer par émincer tout ça. OK, ça c'est ma job? Ça c'est ton job, et moi je vais émincer la viande. Parfait. Donc le pâté gommé, normalement, est fait avec du vin blanc, hein, qui vient de Gaume. OK. Mais ici, on va le faire avec votre mousseux, comme vous avez dit, pour donner un petit goût. Donc en fait, c'est une viande marinée, qui doit mariner normalement 24 heures. Là, est-ce que ça va faire une grosse différence si on ne la fait pas mariner 24 heures? Ça va faire une différence, oui, parce que premièrement, le jus ne va pas rentrer dans la viande comme il devrait rentrer en 24 heures. Okay. Donc le goût sera un peu moins fort. Ça, c'est du porc. Ça, c'est du porc, oui. Donc on prend pour un petit pâté comme ça, un 220 grammes, plus ou moins comme vous faites ici, là. On prend 300 grammes de porc qui va perdre à la cuisson. On prend un petit verre de mousseux. Enfin, on en prend deux, quoi, hein, pour nous. Ah ouais, c'est ça, je les ai. Faut pas s'oublier. C'est ça. Alors, les épices sont des épices qui, je ne pense pas qu'ils viennent de chez vous. C'est beaucoup de la sauge, du romarin. Le romarin, on est capable de le faire pousser. La sauge, c'est plus compliqué ici. Moi, je suppose que les feuilles vont devenir vite. Vite brune ici, là, avec le froid. Ouais, c'est ça, mais idéalement, ben, avec un déshydrateur, là, moi, c'est ça que j'ai à la maison. Fait qu'on les fait pousser et on les déshydrate rapidement pour être capable de les avoir pour l'année. Okay. Mais oui, c'est sûr que tu les gardes. Fraîche à importer. Ouais. Ouais. OK. Là, on voit que je suis vraiment. Concentré, hein. Pas rien que concentré, pas très bon, mais je fais les beaux efforts. Bon, mon éminçage va être probablement plus gros que si ça avait été Olivier qui les avait faits, mais en même temps, tu sais, je participe. C'est ça l'important, c'est d'essayer la cuisine. Des fois, on a l'impression que c'est compliqué, mais quand on s'y met, c'est très facile. C'est du temps, mais c'est pas nécessairement complexe. Non, mais il faut aimer. Il faut aimer manger. Pour, et boire. Et boire. Ça va ensemble. Hein. Chez les Belges, il y a beaucoup ça. C'est très festif au niveau des repas. Bah, disons que oui, quand on cuisine, on est toujours accompagné par un petit blanc. Ouais. Ou une petite bière. Ouais, local. Surtout, ouais, une petite bière locale. Ah, chez nous, il y en a pas mal de locales. Clairement, hein. Vous pensez être par capita le plus gros producteur de bière au monde? Je pense. Ouais. Mais le deuxième plus gros buveur de bière. C'est qui les plus gros buveurs? Je ne sais pas, mais je sais qu'ils boivent de la bière belge. Mais en importation, on en exporte pas mal. Oui. Ben, d'ailleurs, les Français ont tellement de la bière qui est mauvaise qu'ils prennent tout le temps de la bière belge. Mais ça a changé dans les dernières années. Mais je sais qu'il y a, mettons, il y a une quinzaine d'années. Je n'aurais pas osé le dire, mais tu l'as dit si bien. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose au niveau de la bière. De toute façon, quand tu arrivais dans les pubs en France, c'était toujours de la bière belge. Oui, c'est ça. Mais bon. Ils se sont améliorés quand même depuis. Ben, quand on part de loin. Bon. On est pas mal parti là. Mais au niveau des vins, ils sont très forts, là. Faut leur donner ça, il faut leur laisser. Là. Et surtout au niveau des prix, là, ils ont de bons prix, de bons vins. Ouais. Hein? Je suis un gros fan de Bourgogne. Mais c'est sûr que j'ai habité à Lyon quelques années, donc. Ah, ça aide, hein? Il a fallu que je fasse un choix en arrivant, le Beaujolais ou le Bourgogne. C'était clairement le Bourgogne. Ah, OK. Bon choix. Ben écoute, c'est mon choix de goût, mais là, je veux pas.
Le Beaujolais a perdu beaucoup de son lustre aussi. Oui, c'est sûr. Dans les dernières années, le Beaujolais nouveau, en fond. Je mets ça avec le... On peut le mettre dedans, oui. Est-ce que c'est trop gros comme émincelle? Non, c'est bon. C'est bon. Ça va cuire, ça va cuire. C'est idéal, ça donne beaucoup de goût, en fait, l'ail. Oui. Hein? Vous en mettez quasiment dans tous vos plats. Oui, puis c'est un antibiotique naturel. Hein, oui, c'est sûr. On a besoin ici avec le froid. Là. Ouais. Pour rappel, c'est ma première journée à moins 28 de cette année. Mais... Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est ton premier hiver. Là. Non, je suis venu visiter une semaine en hiver, j'ai eu la chance de tomber à moins 36. Enfin, okay. La chance. Non, mais au moins, j'ai failli avoir le cerveau gelé. Ouais. Mais je me suis dit, ouais, bon, y a moyen de combattre. Et tout ton intérêt à venir au Québec, c'était pour l'expérience? Pour l'expérience de vie, oui. Oui? Oui. Et puis, on voulait un peu de montrer autre chose aux enfants aussi. Oui. La Belgique est un très, très bon pays, hein, c'est pas ça? Un très, très bon pays, mais il y a très peu d'emplois, en fait. Enfin, on a beaucoup. Une énorme densité de population. Donc, on a un peu fait le calcul. Je pense que vous avez une densité de population ici autour du lac de 2,9 habitants au kilomètre carré. Et nous, on est plus ou moins à 240. On a moyen de prendre un peu l'air, il y a moyen d'un peu voir comment ça se passe là-bas. Quand on aime le plein air, en tout cas le dehors, hein, c'est vraiment une région fantastique. Oui, ben nous on a été habité dans les Ardennes justement en Belgique pour un peu éviter les villes. Ok. Hein, c'est quand même l'endroit où il y a le moins de monde en théorie en Belgique. Parce que Bruxelles est quand même une grosse ville. Bruxelles, il y a une densité de population énorme. C'est là qu'il y a l'emploi, mais pour y rentrer en voiture ou même en transport en commun, c'est là. C'est des heures. C'est terrible. Qu'est-ce que tu haches là, que tu vas ajouter à ça? Là, c'est de la sauge. La sauge. La sauge fraîche, hein, qui donne vraiment un très très bon goût, qui va se mariner avec le. T'en as mis combien à peu près? Là, j'ai mis 5 feuilles. 5 feuilles? Oui. J'espère qu'on ne filme pas trop comme un sujet mince, parce que j'imagine qu'il y a une technique vraiment plus facile que ce que je fais, mais je le fais. C'est impeccable. Alors, ce que tu peux faire, mais non? Oui. Ça brille le champagne. Ça brille le champagne, ça brille le mousseux. Je peux faire ça. Hein, comme ça, on va pouvoir mettre un verre dedans et au besoin de goûter avant de le mettre dedans. Oui, c'est jamais important. C'est jamais qu'il n'est pas... Pas vraiment à la perfection. Les gens ne savent pas nécessairement, mais la Belgique, c'est une royauté. Vous avez un roi. Oui, on a un roi, oui. On en est très... La moitié du pays, on est très fiers. La moitié du pays, on est très fiers. Oui, moi j'aime très, très fort notre roi. C'est quand même quelque chose de différent qu'un président. Vous, c'est un président, c'est ça? Tout un premier ministre. Un premier ministre. Ouais. Nous, on est dans le Commonwealth. On a été colonisé par les Britanniques. Donc, la reine d'Angleterre est toujours le chef de notre État. Donc, c'est une royauté ici aussi. Oui, mais la reine représentée par le gouverneur général n'a aucun pouvoir réel. Là. Okay. Mais c'est pouvoir honorifique. Mais chez nous, en Belgique, c'est pareil. Ouais, le roi n'a pas de pouvoir. Il signe les lois, mais c'est le gouvernement qui les... Je montre à la caméra bleu d'origine, donc vin de bleuet sauvage mousseux, méthode traditionnelle, domaine Lauré des Bois. Un endroit fantastique, si vous n'êtes jamais allé, là. Une des bonnes raisons d'aller à Notre-Dame de Lorette. Et aussi, les gens, des fois, ils ont l'impression que la Belgique, c'est que français, mais la Belgique, il y a deux nations. Il y a les Flamands. Il y en a trois. Ouais, il y a trois langues nationales chez nous. Il y a le français, le néerlandais et l'allemand. Okay. On a une principauté du côté de Liège qui est allemande. OK. Liège et son escalier interminable. Ah ouais. La prochaine courant, c'est là. Hein, non. Courant. Hein. Après quelques bières, c'est plus difficile. Là. Chanceux, je suis allé en Belgique, fait que là, on se fait des blagues un peu. Fait que je peux ouvrir le. Oui, tu peux servir un petit verre. Regardez ma technique infaillible. Oh. Ça sent très bon. J'ai hâte de goûter ça. Petit verre, on m'a demandé un petit verre. On va servir un petit verre. Fait que là, on a mis tout ça là-dedans. Là, t'as-tu rajouté d'autres choses? Non, pas rajouté pour le moment. Fait que là, on rajoute. C'est beau, ça fait un... C'est vrai qu'avec la couleur aussi de ce mousseau-là, ça permet de pouvoir...
J'imagine agrémenté, parce que les plats, on le sait, il y a le goût, il y a l'odeur, mais l'œil aussi, et quand on regarde nos plats, on a le goût que ça ait l'air beau. Je dis ça, mais je suis toujours incapable de faire ça. Santé, bon, monsieur Guilna. Ah, je pense que la recette va être pas mauvaise. Ouais, je clique j'aime. Mmh. Oui. Mais non, il faut mettre le verre dedans. Là, j'ai bu dedans, est-ce que c'est grave? Sans vouloir, tu dis? Ben, moi, ça me dérange pas. Tu me dis qu'il faut que je mette le verre dedans. Ouais, mais en rase. OK. En 25 centilitres. OK, au complet. 25. Ceux que ma bouche écarte parce que j'ai bu dans le verre, sachez que je n'irai pas chez vous boire dans le verre quand vous allez essayer. C'est ça le problème avec le mousseux, par exemple. Ça fait de la mousse. Ça doit être bon, là. OK. Fait que je vais envoyer le verre complètement là-dedans. Complètement dedans. Il y a alors 4 cuillères à soupe. Hey, c'est vraiment chouette. C'est dommage. Je vais m'en remettre un petit peu, par exemple. Ben là, on laisse un peu parce qu'on a une sauce avec après. Oh, ouais, hein, quoi. On rajoute du vinaigre de vin rouge. Vin rouge, 4 cuillères. Hop. Ça va venir... Ça va venir de l'acidité. Exactement. Là, maintenant, tu mélanges. Et là, c'est là-dedans que normalement, ça devrait mariner pendant 24 heures. Exactement. Parce qu'en marinant pendant 24 heures, ben, le liquide va disparaître et rentrer dans la viande. Ah, d'accord. Tandis qu'en marinant pas 24 heures, ben là, ça ben, il va rester en surface. En surface. Ben, ça va rester en surface. Hein. Le goût sera là, peut-être un peu moins fort, hein, parce que la viande aussi, elle va vieillir en 24 heures. OK. Mais en tout cas, on aura le même résultat. Hein. Je vais vous le montrer ici, ici devant. Pâté gommé. Pâté gommé. Sel poivre. Oui, toujours. Sel poivre, toujours. Et puis on va se trouver une petite passoire. Sel poivre, toujours. Sel poivre. En indiquant bien que à tout le monde qu'il faudrait laisser mariner 24 heures. Oui. Sel. Poivre. Poivre au moins. Sel au plat. Non, non, mais tu sais, c'est le poivre. C'est le poivre, une pincée de chaque. Une pincée? Une pincée. Évidemment, ceux qui ont des gros doigts, c'est une toute petite. Et puis du poivre. Et faire 2-3 tours de moulin, là, parfait. Et voilà. Impeccable. Maintenant, l'idée, après 24 heures d'avoir mariné, il y a déjà moins de jus. Il faut quand même le mettre dans une passoire et l'écraser pour qu'à la cuisson, il n'y ait pas trop de jus qui ressort. Sinon, ça ne va pas cuire. Ah, OK. Ouais. Sinon, la pâte à tarte va... Oui, ben, elle va tout être mouillée. Oui, c'est ça. Donc... Pas encore, j'ai vu ça tantôt. Super. Là, ce n'est pas une bonne idée dans la passoire de le remettre dans notre verre. Je t'ai eu. Je peux essayer. Par contre, on va la passer comme ça pour avoir plus facile. Je vais rincer celle-là. C'est horrible, mais je sors du champ, hein. Il n'y a pas de deux. Ça a l'air bon. Moi, je vais vous dire que je réessaye les recettes à la maison après. Hein. J'ai fait... OK, fait que là, tu pèses pour faire sortir le jus. Ouais. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'après 24 heures, la viande va être attendrie. Ici, elle sera un peu moins tendre. OK. Ça, on s'en doute un peu. Voilà. Donc, je vais me remettre ici dedans. Parfait. Comme ça, on peut... Coin vaisselle! Donc là, c'est un pâté, donc ouais. On peut faire notre pâte à tarte. Exact. Pour le moment, on l'a pas fait parce que là, on n'a pas le temps, c'est quand même assez de l'ouvrage de faire la pâte à tarte. Mais si on voulait faire notre pâte, c'est quoi toi, ta recette de pâte que tu fais? Ah, c'est pas de problème. Faire une petite pâte, ce serait 4 tasses de farine, un œuf, 3 quarts de tasse de beurre, une cuillère à café de sel, une demi-tasse d'eau et 3 quarts de saindoux. Saindoux, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de saindoux, c'est de la graisse, là, tu sais, qui se coupe comme... que ça soit bien gras. Ça, on mélange tout ça? Oui, on mélange la farine avec le beurre et le saindoux jusqu'à obtenir une pâte un peu genre homogène.
Okay. Hein? Et puis, on fait un puits dans lequel on a mélangé à l'avance l'eau, le sel, l'œuf. Et là, on fait un puits, on mélange le tout de manière... Avec nos mains, pétrir comme le pain et, jusqu'à obtention. Dans 5 minutes, on pétrit? Oui, il y a moyen, oui. Dans 5 minutes, il y a moyen, jusque quand la pâte est vraiment tout à fait homogène. Okay. Et puis, il faut la laisser reposer. Bon. L'idéal au frigo, oui, dans un film alimentaire, moi, je dirais une heure. Une heure. Ça rendra. Un film alimentaire, c'est ça. Une expression de chez moi. Parfait, ben merci Olivier. Fait comme ça, si vous voulez faire votre pâte pour faire votre pâté gourmet, vous pourrez le faire. Donc, on va le dresser dedans, tout simplement, comme on fait un pâté chez vous. Mm-hmm. Voilà. On sent un peu les arômes. Oui, vraiment. Voilà. Et puis, on met ça au point de sel. On le recouvre, prêt à cuire. Ça, on enfourne plus ou moins 25-30 minutes, comme un pâté chez vous. OK. C'est pas plus long que ça, quand même, c'est pas super. Voilà. Impeccable. On va lancer la cuisson. Donc, on débute la cuisson et on goûte à ça dans 25 à 30 minutes. Pendant ce temps, on va faire la vaisselle. Parce que 350. C'est important. 350 degrés. 350. Fahrenheit. 180 Celsius. Non, ici, il n'y a personne. 180, tout le monde va mettre 180 Fahrenheit. Ça ne va pas cuire. Non, c'est ça, exactement. C'est sûr. Voilà. Bon, ben parfait. Fait qu'on est en attente pour goûter à ça dans quelques minutes. En pendant ce temps, dégustons les produits du terroir. Mmh. Et puis, as-tu finalement décidé de te partir en affaires? Ben, je ne sais plus trop. Je crois en mon projet, mais je me sens pas prêt. Ah oui? Pourquoi? Toi qui es un leader dans la vie de tous les jours. Je veux pas être à la tête d'une entreprise et avoir à prendre seul toutes les décisions. C'est trop de casse-tête pour moi. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu pourrais impliquer toutes les personnes de ton organisation dans la prise de décision. Ben, je sais pas. En plus, j'aimerais redonner à ma communauté, faire une différence. Et je ne sais pas comment tout arrimer ensemble pour y arriver. C'est possible. J'en doute. C'est très bien que dans le modèle économique actuel, ce qui compte, c'est de faire de l'argent et d'enrichir les poches des actionnaires. Moi, je voudrais que l'argent soit simplement un carburant pour mon entreprise, un moyen pour développer des emplois, offrir des services de façon responsable et que tous les travailleurs en profitent au bout du compte. Mais... Le modèle actuel n'est pas relié à mes valeurs. Pour moi, c'est vraiment important que l'humain soit au cœur de l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Écoute, tu n'es pas le premier à avoir cette réflexion-là, puisqu'en réalité, le modèle d'affaires de tes rêves existe déjà. Tu penses? Je ne pense pas, j'en suis sûre. En fait, tu dois te lancer en entrepreneuriat collectif. L'entrepreneuriat collectif, ça sonne bien, mais c'est quoi au juste? Je t'explique. L'entrepreneuriat collectif, c'est une manière d'entreprendre autrement selon des valeurs différentes, selon tes valeurs. En fait, c'est se partir en affaires en étant animé par le désir d'avoir un impact social concret en partageant avec ton équipe des valeurs de démocratie, d'équité et de solidarité. Bien sûr, comme toute autre entreprise, il faudra vendre un produit ou un service pour générer des profits. On revient encore à l'idée de faire du profit. Laisse-moi finir. Ensemble, les membres d'une entreprise collective peuvent décider de réinvestir les profits dans l'organisation afin de l'améliorer ou de les redistribuer au sein des membres, dans certains cas. Et moi, je ne connaissais pas cela. Tu en as sûrement déjà entendu parler. On appelle cela de l'économie sociale. Il existe différents modèles d'entreprises comme les coopératives, les OBNL et les mutuelles. En gros, une entreprise d'économie sociale se base sur 5 principes fondamentaux. La finalité sociale, la mission est orientée vers la communauté, la gestion démocratique, un membre, un vote. La participation, tous les membres sont impliqués dans le développement de l'entreprise, la primauté de la personne sur le matériel et l'autonomie de gestion. L'entreprise ne dépend pas d'un gouvernement ou d'une corporation privée pour exister. Mais bien sûr que je connais ça, des coops et des OBNL, mais je n'y aurais jamais pensé comme modèle d'affaires pour mon idée d'entreprise. C'est normal. C'est un modèle méconnu sur lequel nous avons énormément de préjugés. Pourtant, l'économie sociale est un modèle qui profite à tout le monde et s'adapte à tous les secteurs d'activité. Et par où je commence? Qui peut m'aider? Il te faut contacter l'organisme de développement le plus près de chez toi.
MRC, CLD, SADC, CDRQ ou ton pôle régional d'économie sociale qui va te référer à la bonne personne. Ces organismes ont des experts qui peuvent t'aider tout au long du développement de ton projet. Merci, mon ami, merci. Je suis maintenant un entrepreneur collectif. Je file, il faut que j'en parle à mes futurs partenaires d'affaires. Hey, redonne-moi des nouvelles. Qui sait? Peut-être bien que je deviendrai membre de ta nouvelle entreprise collective. Bien, en fait, je pense que ce que je fais, c'était juste prédestiné à exactement ça parce que je suis réellement née entre deux tables bleues. Je veux dire, c'est une histoire de famille chez nous. Moi, là, c'est vraiment le lien d'attachement avec la région. C'est une identité pour les gens qui habitent ici. C'est une identité, ça fait partie du patrimoine économique, culturel. Je trouve que ça vient comme chercher toutes les sphères qui m'intéressent dans la vie. C'est représentatif des gens qui sont là. Puis ben moi, j'ai comme un peu l'avantage de pouvoir travailler là-dessus, recevoir les gens de l'extérieur, la clientèle touristique qui a un réel intérêt et engouement là, pour le côté, autant la production puis la récolte de bleuets sauvages, mais davantage aussi pour sa transformation. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. Moi, j'ai quitté la région pour mes études. Je suis allée étudier à Trois-Rivières, puis en fait, c'est là que j'ai connu mon amie Evelyne. Je l'ai tout de suite remarquée, la fille du lac Saint-Jean, avec plein de gens autour d'elle. Ça m'a tout de suite attirée, puis j'ai dit, ta fille-là, j'avoue, comme amie. Ce qui m'a manqué pendant mes études, évidemment, ma famille, mais aussi des choses simples comme des paysages, des gens accueillants. Pour moi, j'ai découvert justement une vie de famille, une région où je pouvais pouvoir passer du temps avec mes amis. Moi, c'est la région qui m'a adoptée. On peut dire que je suis vraiment rendue une vraie Saguenayenne. J'ai choisi que c'était ici que j'avais envie de passer ma vie. Donc, Olivier, pendant qu'on a entendu que ça cuise, nous, on s'est tapé pas mal la bouteille de bleu d'origine, hein, du domaine Lorée des Bois à Notre-Dame-de-Lorette. Plus qu'on la goûte, au mieux que ça goûte. Oui, oui, hein, c'est intéressant, j'ai hâte de voir le pâté. Donc, là, ça fait 30 minutes que c'est au four? À 30 minutes de cuisson, le four a un peu du mal ici. Hein? Ouais. Donc, oui, normalement, à la maison, 25-30 minutes, ça devrait aller. Là. OK. Hein? Donc là, il a des belles couleurs. Oh oui! On peut constater un beau petit pâté. Hein? Pâté gourmet. Voilà. On voit ici. Donc, oh, ça sent bon, hein? Je vais te le laisser le couper, là. Parfait, j'aime ça. Et tu passes à la dégustation. Maman, ça s'accompagne chez vous, évidemment, certainement avec une petite salade de macaroni ou n'importe quelle petite salade. Ouais. Tu veux peut-être des moutaines? Ah bon, ça va. Ouais, quand même. C'est court. On va s'en couper pas trop des grosses tranches parce que. Si on veut pas trop. Hey, ça sent excessivement bon. Ouais. Donc, pour rappel, la marinade, l'idéal, c'est 24 heures de marinade pour que le porc s'attendrisse, pour que les arômes rentrent vraiment bien dedans. OK. Vous, en Belgique, vous mangez ça avec quoi, un pâté gourmet? On mange ça comme ça. Juste comme ça? Ah, ouais. Pas d'accompagnement? Un petit 4 heures, là. Bon. Oh. Il y a un petit accompagnement quand même, mais c'est pas une salade. Ah, OK. On aurait plutôt un petit penchant pour une Orval, une Chimay bleue, ouais, une Arrogante, ou quelque chose de même. Chimay bleue, hein, c'est l'hyper trappiste. Ici, les trappistes font du chocolat. En Belgique, ouais. Les trappistes font de la bière, ouais. Qui est excellente d'ailleurs. Donc, on j'ai bien coupé ça. Ça va? Vas-y. D'accord, on se prend une fourchette. Petite dégustation pour ceux qui veulent. On se prend une fourchette. Non? On cherche les fourchettes! Hein?
J'amène beaucoup de fourchettes parce que ce que vous savez pas, c'est qu'il y a une équipe derrière tout ça et puis tout le monde va y goûter. Avant qu'on goûte, j'aimerais remercier infiniment le garde-manger à Dolbeau-Missassini dans l'ancien cinéma Orphéon qui nous prête généreusement leur cuisine pour qu'on puisse mettre en valeur les produits de chez vous. Donc, je me lance. Oh, oui, il y a la petite teinte bleutée. Merci. Ouais. On goûte les herbes, on goûte l'ail. Goûte. Parfait. On trouve même le petit goût de bleuet, non? Le petit goût un peu sucré. Puis, c'est le fun de me regarder manger. Bravo, Olivier, je considère que c'est un succès. OK, super. Je vais réessayer ça à la maison. Donc, on peut accompagner ça, hein? Je me rappelle jamais du nom, je vais le regarder encore pour être sûr de ne pas dire. Le bleu d'origine! C'est délicieux. J'adopte. Maintenant, un nouvel ajout. Voilà, parfait. Du lac Saint-Jean. Accompagné d'une petite salade, aussi. Hein? Oui, je pense que ça, ça va le faire. Donc, merci, Olivier Geldof. Faut que je regarde ton nom parce qu'on n'est pas habitué à ne pas trembler, c'est Geldof. OK, je le rappelle, gérant des plats cuisinés au métro de Dolbeau-Missassini et chef cuisinier originaire de Belgique. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Table au goût du lac. Passez une bonne semaine. Bye.